Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous très très bien, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, j'ai reçu de nouvelles Dégustabox du mois d'avril. On va le découvrir ensemble. Alors, vous êtes prêts? Intro! Alors dedans, il y a toujours des petites feuillets hein, qui vous expliquent un petit peu les produits qu'il y a derrière dans, dans la box. Aujourd'hui, c'est l'arbre persan, un voyage authentique au cœur des fruits secs de Perse. Donc on va déguster ça, enfin déguster, non, moi je vais déguster et je vais découvrir ça avec vous. Donc pour commencer, on va commencer à fort avec une petite brioche tressée. Alors c'est vrai que la marque, vous la connaissez, hein, Forêt de Ray. C'est pas pour faire découvrir les marques, c'est pour faire découvrir ce qu'il y a dans la box Dégustabox. Voilà. Je sais que les marques, vous les connaissez. C'est un colis qu'on reçoit tous les mois et c'est pour faire découvrir ce qu'il y a dedans. Et dedans, ce mois-ci, il y a une brioche tressée au sucre perlé. Alors, sans conservateur. Donc, c'est ce qu'il y aura ce mois-ci, le mois d'avril, dans la box. Donc ça, on pose ça là. Avec ça, on va manger... Oh, ça sera plutôt pour le dessert. Des petits saucissons, comme ça. Voilà. Alors ça, c'est de la marque Galibière. C'est des petits saucissons, des petites bûchettes de saucissons nature. De la marque française, bien sûr. Il y a à peu près 16 petits bâtonnets dedans. Ça, en apéro ou quand voilà, un petit creux. Ça se mange bien. Ensuite, avec ça, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Allez, il y a des pistaches. Oh, moi, j'adore les pistaches. De goût barbecue, apparemment. De la marque Wonderful. Alors, je ne sais pas si j'ai le bon accent. Ça, pareil, en apéro ou alors... c'est vrai qu'il ne faut pas dire grignoter entre les repas. Mais on peut. Voilà, on peut, modérément bien sûr. Donc voilà, on met ça là. Ensuite, alors je vous montrerai les boissons après pour faire digérer tout ça. Hein. Alors, des pâtes, du sucru, des coquillettes de marque française. Voilà, donc ça les petits enfants, ils aiment bien les petites nouilles comme ça. Hein. Des coquillettes françaises. Alors, il est quand même classé A, à cuire en 5 minutes. Cuit en 7 minutes, 500 grammes. Des fois, on est pressé, les enfants sont pressés, rentrent de l'école, maman, j'ai faim, vite, vite, vite. On met ça dans la casserole d'eau chaude et c'est parti. Voilà. C'est des petits snacks Gouda, de l'odeur Gouda, vegan. Voilà. C'est pour, pareil, hein. À l'apéro, à boire modérément, bien sûr. Ça en plus. Ou alors la popoche, hein, quand on va quelque part. Alors, j'en goûte un quand même pour voir, c'est vegan. Moi, ça m'intrigue. Bon, c'est bon. Ça sent bien le Gouda. Le Goudada. Écoutez, je recommence. Ah, c'est bon. Tiens, j'en pousse. Regardez. Alors, je vais arrêter parce que le paquet va y passer avant la fin de la vidéo. Voilà, on met ça là, mais c'est bon. C'est une texture originale, je trouve. C'est très, très bon. Ah ouais, moi, j'adhère. J'adhère. Victor, tu laisses le paquet ici. Le caméraman derrière, apparemment, ça lui plaît bien aussi. Hein. Oh, alors là, je prends ça en dernier. Ça, c'est des roses amandes. Alors, c'est quoi exactement? Donc, ça, c'est des amandes enrobées de sucre de canne avec de l'eau, apparemment, d'eau de rose. Donc, moi, je vais l'ouvrir parce que je suis curieuse. Ça, je suis curieuse. Je ne connais pas du tout. C'est bien parce qu'on découvre des choses qu'on ne connaît pas. Victor, laisse le paquet. Regardez, vous voyez? Il n'est plus là, le paquet, hein? Eh, laisse-en pour ta mère. Regardez. C'est une amande enrobée de sucre de canne au goût de rose. Et moi, je le goûte. Mmh. C'est super bon, hein? C'est bon, hein? Je vous mets ça là. C'est bien gourmand, gourmand tout ça. La moutarde, je vous montrerai ça après, parce qu'après des amandes, je n'ai pas goûté de la moutarde. Il y a une petite salade de fruits. Ça m'a mis. Alors ça, c'est une portion individuelle. C'est une petite boîte. C'est bien. Vous mettez ça dans un... quand vous allez travailler, prenez ça dans votre... Allez au bureau ou travailler, hein. ou chez nous, hein. Pourquoi pas. C'est de la marque Ça m'a mis, comme je vous ai dit. Classé A. Donc, c'est pas mauvais. Ça avec une petite, la petite brioche qu'il y a là. Je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. C'est de la vitelle, goût citron vert et menthe. Alors, vitamine B1, B3 et B6. Active. Alors, moi, je suis déjà assez active comme ça. Mais je la goûterai bien quand même. Moi, je suis pas menthe, je suis quand même goûtée. Vous voyez, je suis quand même sérieuse, hein, je bois aussi de l'eau. Hein. C'est sûrement ça ressemble peut-être au mojito, vu que c'est menthe et citron. Ah ouais, ça rend bien la menthe et citron. Alors, ça, bien frais. Non, mais là, j'aime bien. T'as tout goûté? Oh, c'est ta mère. Hein. Tiens, vas-y, goûte. On partage tout en famille, nous. Qu'est-ce que t'en penses? Vous savez, ça ressemble vraiment au mojito. Ça ressemble vraiment au mojito, la boisson mojito. Mais boisson mojito? Ouais, ouais. Parce qu'en même temps, le mojito, c'est menthe et citron. D'accord. Puis dedans, c'est de la vitelle, donc il n'y a pas de sucre dedans. C'est excellent. Il n'y a pas de sucre dedans. Hein. Faible en sucre, un petit peu, mais faible en sucre. Hein. C'est de l'eau. Hein. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Encore une boisson?
Ouais. Allez, tant qu'on y est. Goût fruits rouges. Je pense que ça, j'ai mis un peu plus parce que j'aime pas trop la menthe, mais j'adhère quand même. Alors, j'ai quand même le goûté. Ça sent bien le fruit rouge en tout cas. La goutte. C'est bon ? Ah ouais. C'est bon, hein ? C'est ça, regardez. Alors, moi, j'ai reçu 2 bouteilles. Mais vous allez recevoir qu'une seule bouteille entre les deux. Dire laquelle que vous allez recevoir, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai les 2 et les 2 j'adhère. Elles sont très bonnes. Ça au frigo, bien frais quand on a bien soif, ça passe. Alors ça, je pense que c'est pour moi, Victor. Toi, t'aimes pas le chocolat. Oh, attends, si. Il se réveille, Victor. De la marque Canderel, 4 gaufrettes au chocolat. Lait et biscuits croustillants, 80, alors t'as pas besoin toi, 86% du sucre en moins. On aime bien quand il y a du sucre en moins. Ah, j'ai envie de le goûter, Victor, qu'est-ce que je fais? On l'ouvre? Ouais, vas-y. Allez, soyons fous, on les passe après. Donc c'est des barres individuelles, je mets ça là, et on va le goûter. T'en as un tout petit bout, toi. Voilà. Oh, désolé. Un peu dangereux ces trucs-là. 86% de sucre en moins. Ah ouais? On peut y aller. Ça vaut le coup. Alors là, pour digérer le tout, on va vous sortir une bonne moutarde. Oh non. Pour digérer le tout, après avoir mangé du bon chocolat, des bonnes petites amandes, ça je ne goûterai pas. Parce qu'après le chocolat, en tout cas c'est la moutarde aigre douce, onctueuse. Alors c'est de la marque Kuhn. Kuhn. Voilà. Donc c'est une moutarde aigre douce, onctueuse. Ça, après manger tout ça, ça va bien passer. Tout le lien sera dans la description de la vidéo. Il te remettra tout ça. Les droits, c'est des petites réductions. Allez voir. Un code promo qui sera affiché aussi pour avoir des réductions. Moi, je trouve que ce mois-ci, c'est pas mal. Hein, allez voir le prix pour la première box. Alors, je vous ai dit toujours que si vous voulez arrêter, vous arrêtez comme vous voulez. Il n'y a aucun souci. Moi, je valide ce mois-ci. Et pour vous donner rendez-vous pour le mois prochain. Ça sera toujours une découverte. Je ne connais pas les produits. Je vous fais des gros bisous. Continuez à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis. Et ben, on se dit à très bientôt. Bisous, au revoir. À table!